Belle journée, vraiment une belle journée de vélo. Je pense que ça a été compliqué pour tout le monde toute la journée, une journée très nerveuse comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on savait que les routes pouvaient faire plus la différence que les autres jours de plaine, donc c'était aujourd'hui qu'il fallait être présent. J'ai juste une pensée pour Alejandro parce que perdre le tour comme il l'a perdu aujourd'hui, c'est vraiment dommage pour lui et pour son équipe. Omega et Belkin roulaient depuis le départ devant, donc ils n'avaient pas à s'arrêter. Nous, on ne roulait pas, donc on n'avait pas à y aller quand il a percé. Après, quand il a eu perdu 3 minutes, c'était une autre course et on sentait qu'on pouvait en rentrer dans le jeu et faire quelque chose de sympa pour ce Tour de France. Et nos coureurs ont juste été formidables.